conservateur, c'est quelqu'un qui se soucie de nos agriculteurs, comprend qu'on a intérêt à s'assurer d'avoir une relève agricole. C'est quelqu'un qui, en matière de justice, veut s'assurer qu'on va défendre le droit des victimes. C'est quelqu'un qui, en matière de français, veut faire la promotion du fait français au Québec, veut s'assurer que nos immigrants s'intègrent à la majorité francophone. On va tout présenter ça cette semaine. On va continuer. Puis c'est important de le faire à tous les jours. On a des thèmes, puis on réussit à rejoindre les gens. Continuez à partager ça sur les réseaux sociaux. Continuez à parler aux gens autour de vous. Continuez à jaser de ça dans votre porte-à-porte. C'est comme ça qu'on convainc les gens un par un. Chacun a ses enjeux. Chacun a des questions précises. Il faut se documenter à la gang. Il faut continuer à développer, à élaborer sur nos politiques. C'est comme ça qu'on va avoir une vague conservatrice le 3 octobre. Et...